Voilà, maintenant qu'on a rapidement installé WordPress, on va passer cette version en version française. Ce sera quand même beaucoup plus simple à l'utilisation. Alors pour ce faire, on a besoin de télécharger un fichier. C'est ce qui est indiqué dans le PDF que je vais vous afficher de ce pas. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un lien ici qui permet d'aller télécharger le fichier qui contient la traduction en français. Donc je clique sur le lien, je clique sur autoriser et ça va m'amener sur une page de téléchargement. Et vous allez voir que si j'affiche le PDF, on retrouve le même lien. Vous voyez, fichier compilé.mo pour WordPress. Et on retrouve le même lien sur la page internet ici. Alors, il se peut que vous n'ayez pas le même numéro ici, 2.9.2, sur la page. Parce que ça, c'est le numéro de la version que j'utilise au moment où je suis en train de faire cette formation vidéo. Comme WordPress régulièrement sort des mises à jour, à chaque fois le numéro de version change. Alors, attendez-vous à ce que le numéro ne soit pas le même. C'est pas grave. Vous cliquez quand même sur le lien pour télécharger le fichier. Alors j'ai enregistré le fichier. Et puis pour le trouver facilement, j'allais mettre ça sur le bureau. Voilà, donc il est sur mon bureau. Ensuite, je vais me connecter sur mon hébergement, puisque ce fichier, je vais devoir le mettre sur mon hébergement. Donc là, je vais sur www.carrefourinternet.com. Je rentre mon identifiant, mon mot de passe. J'attends qu'il se connecte. Ensuite, je vais cliquer sur mes achats dans le menu. Ensuite sur consulter à côté de hébergement pro. J'attends que ça se charge. C'est un peu long, c'est assez surprenant. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur administrer. Et là, j'arrive sur mon interface de gestion de mon hébergement. Alors là, on a besoin de mettre un fichier en ligne sur l'hébergement. Donc je vais aller dans le gestionnaire de fichiers. C'est dans la section fichiers ici. Donc vous avez préférences, courrier, fichiers. Et là, vous allez cliquer sur gestionnaire de fichiers. Ok, là, vous cliquez directement sur Go. Et on va aller dans le dossier qui nous intéresse pour le moment, qui est le dossier WP Content, ou Content en anglais. Donc vous faites un double clic sur l'icône qui représente le dossier, ou le répertoire ici. Voilà. Et là, on va avoir besoin de créer un nouveau répertoire. Donc vous avez une fonction qui le permet sous forme d'icône ici, donc vous cliquez dessus. Et le nom du répertoire, vous allez mettre LANGUAGES. Voilà, vous avez créé un dossier ou un répertoire qui s'appelle langage. C'est dans ce dossier là qu'on va mettre le fichier de la langue française. Et vous cliquez sur le bouton ici Create New Folder, qui veut dire créer un nouveau dossier. Donc le dossier est créé, donc on va aller dedans. Je double clique sur l'icône bleue là qui représente un petit dossier. Voilà, et là, on voit qu'il est vide. Donc là, on va mettre le fichier qu'on a téléchargé dedans. Donc, on fait ici, on va cliquer sur l'icône qui s'appelle téléversement, qu'on pourrait traduire par upload en anglais. On a plus l'habitude de voir ce terme-là, finalement. Donc je clique dessus, et là, il me demande d'aller chercher le fichier sur mon ordinateur. Donc je clique sur parcourir. Je sais qu'il est sur mon bureau, et si je cherche bien, je l'ai ici, frfr.mo. Je clique sur ouvrir. Là, il est en train de charger le fichier. Voilà, le fichier n'est pas très gros, donc ça devrait se faire relativement
rapidement. Voilà, a priori, là, il a fini. Il me dit 100% complet. Ok, donc là, je vais retourner dans mon dossier. Donc, je clique retour vers et le lien. Voilà, et là, j'ai mon fichier. Ensuite, il reste une deuxième étape. Il va falloir cliquer sur un niveau vers le haut. Une première fois. Cliquer dessus une deuxième fois. Et là, on va chercher un fichier qui s'appelle wp-config.php. Il est ici. Ce fichier, il faut qu'on lui apporte une petite modification. C'est ce fichier qui va aller chercher le fichier qu'on vient de mettre en ligne pour afficher votre blog en version française. Donc on coche ce fichier et ensuite en haut vous avez une icône qui est éditeur de code. Donc vous cliquez sur cette icône et ensuite vous cliquez sur Edit. Et là on va aller chercher une ligne. Alors, de mémoire, je crois que c'est la ligne 68 à 67. Vous voyez, j'étais pas loin. Et à la ligne 67, donc ici, entre les deux espèces de guillemets ou d'apostrophes là, vous allez mettre fr underscore ou tiret bas, donc le tiret du 8 sur les claviers français en tout cas. Pas le tiret du 6, donc le tiret du 8, et à nouveau fr, mais cette fois en majuscule. Attention de bien respecter la syntaxe, sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez fait cette petite modification, voilà, donc c'est pas compliqué, il suffit d'appeler fr-fr et respecter la casse. En haut à droite, vous allez cliquer sur le bouton enregistrer les changements. Toc. Et ensuite, retour vers le gestionnaire de fichiers éventuellement. Voilà. Et donc maintenant, en principe, l'interface de gestion de votre blog devrait être en français. Donc on va aller vérifier ça. Donc là, on va mettre le nom de domaine. Donc moi, c'était www.blog-formation-français. Voilà. Si vous, vous l'avez mis dans un dossier, vous mettez slash le nom du dossier. Et ensuite, slash wp tiret du 6 cette fois admin et vous validez. Ensuite, vous saisissez votre identifiant et votre mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Et c'est bon signe parce que déjà identifiant mot de passe c'est en français, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et là donc j'arrive dans l'interface de gestion de mon blog qui apparaît en français. C'est formidable, non? Allez, à tout à l'heure pour une prochaine vidéo.